trois choses à main. Ça, ça et ça. Hein? Deux choses à main et une seule à main. C'est ça? Ça, c'est le passé. Ça, c'est le présent. Et ça, c'est le futur. Ça, c'est hier. Ça, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est demain. Hier est passé. Est-ce que tu peux encore l'occuper? Non. Demain, est-ce que tu peux l'avoir maintenant? Non. C'est pas l'argent comptant. Tu peux pas jouer les cartes qu'on t'a pas encore donné. Mais aujourd'hui, c'est l'argent comptant. Ça, c'est le cash. Tu peux bien gérer ça. Donc, pour éviter la frustration et garder ce que je vais déjà appeler la tranquillité, j'ai bien dans mes deux. Maintenant, on a, voilà. Today, là. Le today, le this morning, c'est le vrai temps. C'est toute la vie là-bas. Tu ne peux vivre que aujourd'hui, là. Ce n'est que maintenant que tu peux vivre. Donc, remplis bien ton maintenant de joie. Tu vas saluer quelqu'un. Salue-le avec toute la joie. Quand tu regardes, souris jusqu'à tes oreilles vont. Tu comprends ce que je dis. Et la discipline de la joie. Marche avec joie. Chante avec joie. Apprends à soulever la tête comme on fait parfois. Tu lèves ton torse et tu marches en. Alléluia. Sens-toi libre. Tu me suis bien, j'ai bien ton aujourd'hui, ne permets jamais en tristesse de te plus de doser. La Bible dit, soyez toujours joyeux, Jean 4:4. Soyez toujours joyeux. Puis la discipline de la joie maintient la porte de la conscience ouverte et donne accès à l'intuition. C'est même beaucoup plus même la joie là qui te donne accès à l'intuition. Beaucoup plus. Tu me saisis bien. Donc veille vraiment à ce que la porte de ton esprit reste ouverte par la discipline de la joie. Si je viens devant toi comme ça, naturellement, je t'ai condamné, non. Tu as besoin de me résister à des défensives. Mes émotions, mon sentiment t'a condamné. Imagine que tu viens vers moi comme ça et que ce n'est que, oh, grand frère, ça fait comment? Ça t'apaise, ça t'apaise, tu vois. Naturellement, si je prends une posture tristesse, j'appelle la tristesse. Imagine, tu ne peux pas être en colère en même temps que tu souris. Est-ce que c'est possible? Non. C'est pourquoi même quand quelque chose t'énerve, premier réflexe, souris d'abord. Apprends seulement 10 jours, ça va marcher. Je te dis par connaissance, par expérience, 10 jours ça va marcher. C'est que souris, même si rien ne te fait sourire. Apprends à sourire, tu souris pour rien. Tu te lèves le matin, tu souris, tu te regardes devant le miroir, tu te regardes bien, tu souris. Tu as compris ce que je dis? Et quand tu vas sourire au travail, dans, là où tu marches, quelqu'un demande pourquoi tu souris. Dis-lui que pourquoi toi tu ne souris pas. Et tu es bête, on ne peut pas sourire comme ça sans que rien ne nous fasse du bien. Dis, ah, toi tu es stupide. On ne peut pas rester embarrassé comme ça sans que rien ne nous fasse du mal. Rien de rien. Toi tu as choisi d'être joyeux. Alors décide d'être joyeux. C'est très, très important. Donc, de même qu'il y a ce qu'on appelle que la relativité. En touchant l'intérieur, l'extérieur se change. Mais en touchant aussi l'extérieur, l'intérieur peut se changer. C'est pourquoi je te donne cette petite discipline-ci. Tu me saisis bien. C'est important.